L'Ecclésiaste, chapitre 3, parole bon Dieu fait nous connaître que, bien-aimés frères et sœurs, que gagner yon saison pour toute bagaille. Et même si un pile monde pas vle d'accord cette vérité, mais tout ça ouais, li gagne un commencement et puis il gagne un finissement. Frères et sœurs, si l'homme qu'a fini, et il y a un proverbe qui dit le génie n'a qu'un siècle. Il n'y a pas plus qu'un siècle. Et la parole de Dieu dit nous dans Psaume 90, serviteur Moïse qui a parlé avec bon Dieu, il dit que nos jours s'élèvent à 70 ans. 80 ans pour les plus robustes. 80 ans pour les plus robustes. Cela veut dire que quel que soit le type de monde que nous sommes capables, toujours qu'on est que un jour n'a privé à la fin de notre vie. Nous connaissons dans la nature, nous observons quatre saisons. Nous observons le printemps. Nous observons l'été. Nous observons l'automne. Nous observons l'hiver. Mais on connaît de manière naturelle, bon Dieu permet que nous capables de gagner ces saisons pour que la terre, la vie capable possible ici-bas. Mais aussi, pour la vie bon Dieu possible dans nous, la réalité de ces quatre saisons, nous devons observer. Yo, parce que yo nan vie nous en tant que chrétiens. Frères et sœurs, n'a pas observé la première saison que peut-être ou capable la donne. Et moun kap koute nous là, capable peut-être dans la première saison, le printemps. Non, Cantique des Cantiques, chapitre 2, parole bon Dieu fait nous connaître que printemps, li vini tout de suite après l'hiver. C'est ça qui fait que li dit, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, il dit que le printemps, alors l'hiver, il passait, la saison des pluies, l'aller. C'est comme s'il y a une joie, le fait que nous quittons l'hiver pour nous entrer dans le printemps. Mais aussi, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, et vous-même qui suivez nous, le printemps qui représentait une saison de préparation, une saison d'opportunité, d'occasion. Mais le monde qui fait agriculture connaît très bien que depuis le printemps arrivé, il y a occasion maintenant pour commencer à préparer terre pour joindre ou capable de faire une bonne semence. Maintenant, pendant la saison printemps, qui sont saisons d'occasion, parce que c'est lui-même qui pourra le déterminer toute l'autre saison qu'on pourra le joindre, le printemps. Et la parole de Dieu, il fait nous connaître que dans toujours Cantique des Cantiques, dans chapitre 2, dans verset 11, il fait nous connaître que c'est toujours une joie, l'était en Israël, lorsque ils ont fini de traverser l'hiver pour entrer dans le printemps. Et après, bel poème qui écrit, belle parole qui dit, parce que nous entraînons printemps. Observez-le spirituellement dans votre vie. Le printemps, c'est un temps de préparation. Un temps côté que le Seigneur baou saison ça pour capable planter et aussi pour capable prendre croissance. Ça va dépendre de qui semence qu'on mettait, comment planter. Grand pile monde de la vie. Même si occasion présentée à eux-mêmes, mais on pas jamais connaît que ça c'est saison pam, c'est occasion pam, bon Dieu ben moi pour me faire ça m'a faire. Nous connaît dans le monde, je dis souvent que temps perdu ou pas joignons, pas vrai?
Et frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, gen occasion bon Dieu ba ou. Gen possibilité bon Dieu mette devant ou. Ou besoin saisir parce que ou pas présenté de foi. C'est ça qui fait bon Dieu li pas en affaire avec monde qui pas reçu, monde qui pas observé, monde qui pas ka déterminer que ça c'est période pam, ça c'est saison pam. Maintenant qui ça me doit faire? C'est pour ça nous gagnons le printemps. Le printemps qui ça m'a fait la donne. Écoutez, les ou à l'université, c'est pour qu'on est ou dans le printemps. C'est pour accepter que c'est labourer ou labourer terre ou préparer à avenir. Il y a plein de monde qui toujours fait ça comme erreur. Pendant une période printemps, ils laissaient tomber. Parce que son période de dur labeur, parce qu'on préparait un bagage qui vient pour venir. Et ce n'est pas facile pour préparer. Mais mieux manger. Leur préparer, le grand pile risque là de nous brûler. Mais les manger a fini, les bons. Tout le monde content, pas vrai? Mais chalet du feu, alors prends-le. Il n'est pas douce. Donc le printemps de votre vie, c'est un temps de préparation et aussi un temps d'opportunité. Un temps d'opportunité. Son temps, bon Dieu, bah, où, pour préparer qui côté vous voulez aller, qui soit vous voulez faire. Et tout de suite après, ce temps de préparation d'opportunité, une saison favorable que le Seigneur a accordé, vous pourrez le faire face maintenant avec une saison qui n'est pas facile. Mais pas oublier, non? Le printemps, cette saison, c'est une saison de préparation. Une saison d'opportunité. Si vous êtes à l'université, à l'école, d'accord, payez le prix pour apprendre. Parce que dans le monde, il n'y a pas d'accord fait tant de préparation demain pour que vous capable utile. Si que ou non travail, c'est peut-être printemps lié pour au fin commencer. Yo pour ko kapé au gros l'argent. Que monde qui t'a toujours aimé gon gros job pour commencer. Mais non, la vie montre nous que la première saison, c'est toujours une saison de préparation. Mon travail, bon Dieu mettre la donne, c'est préparer la préparer pour la mettre dans pigoa. Donc faut qu'on d'accord printemps. Gardez dans qui saison hier est-ce qu'on a printemps. On va vérifier ça dans prière avec bon Dieu. La saison la plus difficile, frères et sœurs, c'est l'été. Parce que c'est une saison d'épreuve. C'est une saison de sécheresse. Et Salmis l'a dit dans le psaume 32, verset 4. Il dit comme ça que ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. L'été, comme deuxième saison que la pourrait, c'est une saison de sécheresse. Se suivent bien la saison de l'été, il fait apparition tout de suite après le printemps. Si ou pas préparé pour les mauvais jours, les yo vini ou pas faire face avec yo. Si ou pas instruit pour les mauvais jours, les yo vini ou ka fou. C'est ça qui fait que les nous venons joindre le Seigneur dans Matthieu chapitre 16. Le Seigneur dit nous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Alors, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc le Seigneur a demandé d'abord une préparation pour le suivre. C'est-à-dire, l'on va venir dans l'évangile là, pas comprendre que l'on va venir en côté. Côté bagaille facile. Oui, il y a facile parce que avec la force de Dieu, pas rien qui est difficile. La parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que des fois, il y a plein de monde qui fait mon peur venir dans l'évangile parce que dit, ah, quand vous venez dans l'évangile là, il a pas le gagner pour vous, il a pas le gâter. Non. Non. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça qui fait que la saison du printemps, frères et sœurs bien-aimés,
saison ça c'est lui qui permet que nous rentrer dans l'été parce que il a préparé nous semence là déjà dans le sol là il est là pour que semence là capable porter fruit faudrait-il que l'été fait apparition là. Parce que c'est l'été qui pral mettre semence là à l'épreuve qui pral mettre plante là à l'épreuve. Oh, tout de suite après le printemps ou après l'été, saison de la sécheresse, la saison des épreuves. Il y a des gens qui ont dit, mais ça fait longtemps que je finis d'étudier, je ne suis pas capable de faire un travail. Quelle est votre saison? C'est peut-être dans l'été qu'on y est. Il faut décourager. Il y a des gens qui ont dit, bon, je me prépare pour me faire tout et tout, mais je me bloque. C'est parce que dans l'été. Oh, saison été, hein, frères et sœurs, c'est sécheresse. Côté que plante là a pris maturité. La prématurité. Et à force que les prend maturité, les pourra permettre que le pot est fuit. Exactement. Dans la saison que nous tous remet en pile là. Alléluia. Oh, saison que nous tous t'arrêmes sorti dans le printemps et puis voler la dernière, frères et sœurs. Donc, on qui saison? C'est l'automne. Tout le monde remet l'automne parce que c'est la saison des récoltes. Tout le monde t'arrêmes sorti dans le printemps et puis voler dans l'automne. Non. Même la nature n'a pas qu'à faire ça. Parce que le Créateur a mis en loi, il dit que ou après le printemps, ou après l'été, après ça, ou tomber dans l'automne. Qu'on voulait ou pas voulait, c'est qu'on s'en mette loi là. Quel que soit le monde qui arrive, il a toujours dit qu'il franchit étape ça. Il y avait un temps de préparation dans sa vie. Il y avait des temps d'épreuves dans sa vie. Et je dis, bon Dieu, levez la tête. Puis j'aime déranger les lois de la nature. Parce que c'est le Créateur qui mettait. Pas déranger les lois de la nature. Parce qu'on fait des gars dans la vie. Bon Dieu, il y a un temps de préparation. Il y a un temps d'épreuve pour les gens qui sont encaissés, qui sont ramassés. Pendant l'église, qui ça ou apprendre? Qui dimension de froid, la caille, bon Dieu? Même si vous préparez, ça va vous dire que vous êtes prêt pour la bénédiction encore. Il faut que vous éprouvez. Avant, bon Dieu, béni, on va l'éprouver. C'est ça que fait la terre promise aux enfants d'Israël. Le message qui avait été donné, c'est seulement la saison d'automne que bon Dieu te baille Moïse. Mais le pas de Bali, printemps, le pas de Bali, été. C'est dans le désert, le peuple a découvert que, avant d'arriver en automne, il apprend printemps d'abord. Après ça, il apprend l'été pour être capable d'entrer en automne. Dans quelle saison il est? Moi-même, Dieu fait grâce. Bah, c'est printemps. L'été me manque fou. Parce que c'est comme si bon Dieu t'a abandonné moi. Parce que la pluie pas tombé sous le jardin moi. Moi j'ai soif. M'a joine en rien pour manger. Parce que c'était une saison de sécheresse. Tout ça me s'est fait. Mais soleil a déboulé yo. Tout ça me s'est fait. Soleil a été brûlé. Mais étant donné que on semence que me recevoir dans printemps, il y a une saison que me alors il y a une semence que me recevoir pendant tant de préparation. La semence de la bonne nouvelle qui te dit même si moi bagaille difficile puis me décourager. Même si moi j'ai maladie, c'est pas fin vie parce que gagner une saison brûlé automne. Même si moi bagaille tête en bas, moi dois toujours prendre courage. Dans l'été, soit la chance, c'est vrai. Mais go refuge la caille, bon Dieu, si me cherche. Soleil la pape ka brûler moi. Oh, regardez, te go temps. Bagaille pas facile.
même pas qu'à connaître si c'était loi créateur à te mettre, parce que moi t'ai pensé une fois préparé au capable d'entrer dans l'automne pour commencer juillet de récolte. Et pourtant, si pas semé ou pas capable de récolter, c'est loi créateur à mettre là. Et frères et sœurs, troisième saison, l'automne, que nous tous remets en pile là. Encore une fois, il n'est pas possible sans que nous pas gagnions première saison en printemps, sans que nous pas gagnions deuxième non, l'été. Oh, frères et sœurs, l'automne est possible parce que l'été est venu. Plantez au besoin de soleil pour être capable de mûrir, pour être capable de prendre maturité, pour être capable de prêt. Parce que si vous n'avez pas le soleil de l'été, si vous ne connaissez pas des temps d'épreuve dans la vie, où les bons dieux bénis ont chuté. Si bon Dieu pas après nous vivre, sans un paquet de bagages qui ont pile l'importance dans la vie, où l'eau va joindre nous, il faut chuter. Mais s'il d'après nous vivre sans yo, l'organe yo pas d'importance pour. Même si vous possédez yo, yo pas d'importance pour. Saison automne, saison que en pile dans nos mains. Dans Galates 6 verset 7, ce qu'un homme aura semé, il va moissonner. Automne dépend de printemps qui sont semés. Dans le printemps de votre vie, qui sont semés, sont apprennent. Qui formation ou te prend? Bon Dieu, formez-nous à tous les niveaux. Qui formation intellectuelle ou te d'accord payer le prix? Parce que grand pile monde qui pas reçu, qui pas apprendre rien. Mais pour bon Dieu, river dans niveau automne ensemble avec vous. Vous besoin d'accord passer. Merci. Besoin d'abord connaître saison printemps, une saison de préparation, une saison pour semer, pour que vous soyez capable de récolter. Frères et sœurs, l'automne, saison de récolte. Il y a un peu de nous qui l'a donné le matin, on dit bon Dieu, merci. Parce que vous avez récolté sa côté semé. Bon Dieu, récompensez-vous. Parce que vous n'avez pas de gens qui étaient épreuves, allez avec vous. Les moments où étaient difficiles, vous avez toujours gardé la foi. Les moments où pas facile pour vous, pas de rien qui t'a fait renoncer à Christ. Vous avez été ferme. La saison des récoltes, c'est saison côté que tout le monde qui va passer ouais en été, il vient ouais, il cherche qui est souillé, qu'autorité, il a demandé pour, parce que c'est une récolte là, où vient tout le monde ça y est. De première saison y a pas grand pile monde. Le printemps de votre vie, tant on prépare, on pile monde pas comprendre, nous, gamin qui a dit faux, gamin qui a dit échoué. Mais on a un temps de préparation dans la vie. Bon Dieu a préparé. Une semence, bon Dieu a mis une semence de bénédiction dans la vie. Même si vous êtes privé à maturité, mais privé. L'été, en pile le monde, pas passé wow, parce que il fait chaud. Le soleil est chaud, parce que pas bon. Mais dans la récolte, là, toute famille est oubliée. Y a cherché qu'on gotoye oui. Tout les amis qui pas connait l'eau, y a cherché qu'on est gotoye. L'arrivée dans saison récolte là. Monde qui devait jeter yo. Y a cherché qu'on est gotoye, y a pas admiré. Et puisque frères et sœurs, la vie il y a un commencement, il y a une fin. La fin des saisons qui marquaient par
quatrième saison, l'hiver. N'ayez pas peur de l'hiver. N'ayez pas peur de l'hiver. Quel que soit ça, bon Dieu t'a fait avec vous, il y a une fin. De nos jours, il n'y a pas parlé de frère Télon encore. Sauf dans le message. Lui. Mais à l'époque, moi-même, pasteur d'Oval, frère Télon, c'était un homme que tout le monde était venu arrêter pour côté la cause de ce message. Je n'ai jamais dit, il n'est pas là encore. Pasteur Jean-Marie, tant d'autres encore, il n'est pas là. Donc c'est la vie comme ça. Mais il y a peur lorsqu'on va arriver à la fin de votre vie. Parce que bon Dieu n'a pas quitté que ou gagne une vieillesse malheureuse. Mais là-bas où yon vieillesse heureuse. Un peu de monde peur l'hiver. Parce que l'hiver, il fait froid. Il fait froid. Surtout pour les gens qui vivent dans le pays côté que température vraiment bas. Donc il fait froid en pile. Mais on connaît toute saison, yo bon pour l'homme. Parce que l'expert dit que dans le pays côté le fait frais en pile, yo gain en pile Tibet. S'il pas fait frais assez, yo pas mourir en pile insecte. Pour yo mourir c'est dans le froid. Pour yo mourir. Et c'est vite Moïse qui présentait non l'hiver. Dans Psaume 90, il dit nos jours s'élèvent à 70 ans. 80 ans pour les plus robustes. L'orgueil qu'on attire n'est que peine et misère. Qui que vous soyez, l'orgueil commence à grand monde. Il y a une douleur pas consentie. L'orgueil 20 ans, 30 ans, on commence à sentir. Il y a un jour, tu es qu'à manger. L'orgueil est 30 ans. 40 ans. Mais là, comment c'est comme on 60, ou pas capable. Au niveau de sucre, ou te qu'on prend à l'ibayo, ou obligé de contrôler. Parce que c'est l'hiver. Mais comment on est capable de gagner un bon hiver si on pas gagner printemps? Printemps, c'est l'hiver déterminé. Toute l'autre saison, yo. Et les bons dieux bénis, il faut qu'on gère. Parce que l'hiver, c'est saison qui détermine qui gestion des faits de l'automne. Parce que il fait froid. Sol l'a reposé, lui. Sol l'a reposé, la terre, lui, au repos. Pas qu'une semence, ou qu'on va le planter là-dedans, sauf ou pour l'utiliser l'autre bagaille pour faire. Mais, de manière naturelle, l'hiver, c'est un temps de repos. Les bons dieux bénis ont toujours connu que sous font mauvaise gestion. L'hiver a fait très froid pour. Malgré ces bons dieux bénis, mais ça va bien gérer. On fait en pile en hiver. Nous connaissons pile le monde, bon Dieu te bénit. Mais l'hiver de leur vie, c'est difficile pour eux. Quand pile le monde, bon Dieu bénit pendant la semaine, mais le week-end, ils ont rasé. Parce que yo mal géré ça mon Dieu te baillé pendant semaine. Réfléchis matin hein, pour finir. Dans qui saison y est? Fermez mes yeux. Pour bon Dieu révéler yo. Dans qui saison y est dans vie yo? Pas souhaiter qu'on courir ni décourager. Lorsque c'est le printemps de votre vie. Puis vous découragez lorsque c'est l'été, la saison la plus difficile. La saison des épreuves. La saison des épreuves. La saison de l'oubli, de l'abandon des autres. La saison des maladies peut-être. La saison que mon pape travaille, on ne me connaît pas. On ne me visite pas. Dans qui saison foyer.
Est-ce que c'est bâti, la bâti? Le printemps. Est-ce que c'est préparé, la préparé? C'est le printemps. Faut que d'accord, cette saison de votre foyer, de votre mariage, dans votre famille. Dans quelle saison que lié? Est-ce que c'est l'été? La saison la plus difficile. Puis qu'on est découragé parce qu'il y a l'automne. La saison des récoltes. Le temps des récoltes. Dans quelle saison il y a dans vie? Bien gérer l'automne. Mandez Seigneur sagesse pour bien gérer l'automne. Parce que l'hiver approche. Bon, là, je n'arrive pas à jouer encore. Parce que c'est l'hiver qui vous attend. Il y a occasion, opportunité, moyen que le Seigneur bat. Il faut savoir les gérer. Parce que c'est l'automne pour vous. Mais il y a l'hiver qui vous attend. Et il fait très froid. À l'hiver, il fait très froid. Côté Dieu, fermez tête au PC. Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, toi qui as établi les saisons, tu es le rocher de Jacob. Et à travers la vie de tout serviteur, ces quatre saisons t'es représenté. Tout comme ces quatre saisons sont représentées dans l'univers, dans la nature. Et nous-mêmes, comme ta créature spéciale, comme ta création spéciale, pour permettre que ces quatre saisons capables dans la vie, non? Seigneur, apprends-nous lorsque nous sommes au printemps, cette saison pendant laquelle nous devons nous préparer, cette saison pendant laquelle, Seigneur Dieu, nous devons nous concentrer sur ce que nous faisons. Nous devons accepter le commencement qui n'est pas toujours facile. Nous devons accepter de travailler, de labourer la terre afin de mettre les semences. Et Seigneur, lorsque vient l'été, la saison de sécheresse, cette saison difficile, mais nous vivons avec espoir parce que Seigneur, nous avons des semences en toi. Des semences au sol. Nous pouvons espérer. Oui, nous pouvons espérer en toi. L'été, Seigneur, c'est une saison difficile. Une saison de sécheresse pour notre vie. Seigneur, sécheresse, oui. Mais ne pas désespérer, ne pas peur. Parce que nous connaissons qui s'en mette dans le sol, la caille. Seigneur, pendant la saison de l'été, nous devons prendre courage dans les épreuves, dans les difficultés. Car ton serviteur Jacques, Seigneur, nous dit, pendant saison sécheresse-là, on va prendre nous la patience. Dans Jacques chapitre 1er, Seigneur, on va prendre nous la patience. La souffrance d'attendre. Combien en nous, Seigneur, qui gagne la semence de ta promesse en nous. Mais Seigneur, c'est l'été pour nous. Nous attendons l'accomplissement de cette promesse que tu nous as faite. Seigneur, combien d'entre nous? Nous dans la saison été, nous voulons les courager. Nous c'est la pluie de la rivière saison. Tomber sous jardin et nous t'en prie. Arroser nos matins pour ne pas décourager, pour nous connaître. Nous gagnons le printemps, la caillou que nous t'ai semé la dernière. Et l'automne qui nous attend. Et nous-mêmes, Seigneur, qui en automne, que ton Saint-Nom soit béni. Merci pour toutes les difficultés pour te permettre que nous connaissions. En été, nous te connaissons ces difficultés. Nous te donnons force pour nous surmonter. Malgré toutes les paroles, nous te tendons en été. Il faisait chaud. Mais Seigneur,
ou pas quitter nos fous. Bon Dieu, fais nos grâces pour que Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, pour nous tendre l'été qui a fini. Pour nous tendre, Seigneur Dieu, l'automne. Parce que nous avons 6 ans de récolte, la caille. Et lorsque l'été fin passe, bon Dieu, nous avons occasion et privilège pour nous vivre l'automne, la caille. Fais-nous d'accord dans l'automne pour nous préparer l'hiver. Une saison de bonne gestion aussi, Seigneur. Et l'hiver va déterminer si oui ou non. Nous avons bien géré l'automne. Maintenant, merci parce que vous permettez que nous connaissions l'automne. L'Église, communauté du royaume de Dieu. Seigneur, vous connaissez qui saison que lié. Vous connaissez qui semence lui mettez la caille dans le sol. Et de l'Église, ça, dans l'été, Seigneur, pour ne pas décourager. Car tout le monde qui semé dans haut, Seigneur, va récolter un jour. Pendant saison été, la ponne. Aidez-le, t'en prie, pour les continuer à avancer. Parce que chaleur, Seigneur, est difficile. Mais bon Dieu, il y a maturité, il y a force. Il montre nous la prière. Il montre nous chercher refuge la caillou. Il montre nous chercher comme un pied bois pour nous prendre fraîcheur. Que nous, Seigneur, n'a pas approché vers l'hiver. Merci pour toute saison, te permettre qu'il gagne dans vie, non. Parce que nous âgés, l'âge nous vraiment avancé. C'est l'hiver de notre vie qui approche. C'est notre temps de retraite. Merci parce que te permettre que nous fassions bonne préparation de saison hiver. Bénis chaque jeune, bon Dieu, qui est dans saison printemps. Pas quitter vous décourager. Pas quitter vous voulez sauter l'été pour entrer en automne. Bénis chaque monde qui saute page ça. Aidez-vous pour d'accord saison qu'on établit dans la vie chacun de nous, dans la nature. La réalité des saisons dans la vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. C'est notre prière. Pas parce que nos bons nous disent, mais nous ne pouvons pas prier bien. Le peu de ça que nous sommes capables de dire, nous comprenons. On va ajouter fait pour nous tout ça qui est nécessaire. Que nous ne connaissons pas pour nous dire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen.